Salut à tous! Je voulais vous faire un petit coucou pour vous tenir un petit peu au courant de l'actualité, parce qu'il y a plein de choses qui évoluent. Je voulais vous remercier d'avoir été nombreux à regarder le plus grand cabaret du monde. Et puis, beaucoup de gens m'ont parlé de la nouvelle chanson, Grazie mille, et je vais vous en reparler dans quelques instants. L'actualité toute proche pour l'instant, ça va être le kangourou qui part en tournée, qui va aller chez vous. Et alors, on va être le 20 septembre à Biarritz, le 23 à Toulouse et le 24 à Bordeaux. Voilà, c'est le début de la tournée du kangourou qui fera des petites semaines comme ça et puis qui partira. Je reviendrai de temps en temps pour faire les émissions et puis je repartirai après pour faire le kangourou en tournée. Vous dire que j'ai dans la tête, je ne sais pas, c'est vous qui me direz si ça vous fait plaisir ou pas, mais pas pour tout de suite, pour bien plus tard, c'est-à-dire pour dans un an, etc., de monter un petit spectacle où je vais refaire l'imitateur complètement. Alors, je ne sais pas si ça vous fera plaisir, pour ceux qui m'aiment bien. J'ai l'intention donc, de refaire un spectacle à peu près d'une heure et demie pour des théâtres où je vais refaire l'imitateur avec les anciennes imitations, puis avec des nouvelles imitations, un tour complètement consacré à l'imitation, histoire de se replonger dans les racines. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je voulais vous dire, ah oui, très important, la nouvelle saison des Années Bonheur va démarrer fin octobre avec une nouvelle émission des Années Bonheur avec J.C. Laliste, Hervé Villard, Johnny Clegg, Coq Robin, Hugo Frey, Gilbert Montagnier, etc., etc., etc. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que le 9 octobre, il se trouve que sur la TF1, il y a le match France-Roumanie et la chaîne m'a demandé, pour aller en face du foot, un best-of des 5 ans des Années Bonheur, parce que ça fait pratiquement 5 ans que cette émission a commencé. On en est à une vingtaine d'émissions. Donc, je vous ai préparé, pour le 9 octobre, une soirée formidable pour ceux qui n'aiment pas le foot ou ceux qui aiment le foot mais qui préfèrent la bonne humeur. Une soirée avec plein de chanteurs, Annie Cordy, Lou Béga, Christophe Maé, les Chevaliers du Fiel en comique, Dave, Richie Poveri, Sara Perchettiamo, Hervé Christiani, les Libre Max, Noël Bernard, Georges Macrae, Rock You Baby, Gérard Lenormand, Chigiola Cinquetti, Charlie Dino, San Severino, Michel Thor, Weather Girl, It's Raining Man, Alléluia, Daniel Gérard, Michael Gregorio, Nicolas Perrac, Philippe Cataldo et ses divas du dancing, Barry Ryan qui chantait Héloïse, Digné Benuro, Adamo, Isabelle Boulet, Bonnet M, Danny Briand, Village People, et puis un petit hommage à Henri Salvador. On profitera de ces 5 ans pour voir tous ceux qui sont partis, mon copain Carlos, mon copain Blanc, Gérard Blanc, et puis Salvador, bien entendu, et René Coll, évidemment. Voilà, ça c'est pour le 9 octobre au soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, voilà, ça c'est important. Regardez, ça c'est un scoop, c'est le premier, c'est tout chaud. Ça s'appelle l'indispensable pour faire la fête. Pas indispensable, mais pour faire la fête, oui. Ça va sortir le 1er novembre. C'est la fameuse compile dont je vous avais parlé, où à l'intérieur, il y a une nouvelle version de la fiesta. Il y a Grazie mille, évidemment. Il y a les serviettes, pourvu que ça dure, les sardines, le petit bonhomme en mousse, si tu pouvais fermer ta gueule, c'est chaud, la lettre à Élise, Alain, sauf le respect que je vous dois, petit Louis, Chiquita del Sol, le cancan, les cacatoès, qui est une nouvelle chanson, Samba do Brasil et la dernière farandole. Voilà, vous serez équipés pour faire la fête avec ça, pour le réveillon et puis pour toute l'année. Ça sort donc ça le 1er novembre. Et puis, je voulais terminer en rendant un grand, grand, grand hommage, parce qu'ils m'ont fait énormément plaisir, à l'équipe de rugby de Brive, qui est allée gagner à Paris. Et puis surtout, au-delà du résultat, c'est la manière, et je voulais féliciter vraiment du fond du cœur, à la fois les joueurs, le staff, les dirigeants, parce que l'équipe ressemble à ce que j'ai toujours voulu qu'elle ressemble, c'est-à-dire, j'y suis pour rien, je vous rassure, hein, mais comme mon cœur est toujours à Brive et restera toujours à Brive, l'équipe a trouvé une âme. Il y a plein de mômes qui sont arrivés, ils s'amusent, ils prennent des risques et je suis vraiment très très heureux de les voir jouer. Je leur souhaite bonne chance, je leur fais un gros bisou à tous. J'en ai eu quelques-uns au téléphone dimanche soir quand ils étaient à Paris, ils chantaient mes chansons et je leur souhaite d'aller chanter longtemps. Voilà. Je trouve que ce qui est en train de se passer au niveau de l'état d'esprit est formidable et encore une fois, j'en remercie tout le monde, à la fois les joueurs, le staff et les dirigeants. Voilà, je vous embrasse très très fort et puis je vous donne des nouvelles très très vite.